Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel de tutoriel d'internet gratuit. Comme j'ai promis, c'est un tutoriel en exclusivité pour le Cameroun et Orange CI. Dans ce tutoriel vidéo, je vais vous présenter comment surfer gratuitement à Orange CI. Mais cela, vous deviez être très très attentif pour pouvoir configurer votre smartphone à l'accès internet mobile. Généralement, moi j'utilise un smartphone version 6.0, version Android 6.0. Donc justement, je vais vous présenter comment surfer gratuitement Internet. Si vous avez vu la dernière configuration que j'ai publiée déjà, comme je vous ai promis ce samedi, des tutoriels en exclusivité pour le mois d'avril. Donc, justement, vous deviez télécharger l'application UltraSurf dans Play Store ou bien vous trouverez le lien dans la description de la vidéo. Voilà UltraSurf. Il suffira de cliquer sur connecter, mais cela, bien avant cela, vous allez laisser la configuration par défaut de votre smartphone. Donc, cette configuration marche avec Orange CI et Orange Cameroun. Vous avez vu? Bon, je vais laisser la configuration par défaut de mon smartphone. Bon, soyez très attentifs. Donc, ici, pour surfer gratuitement, il vous faudra au minimum 3 mégas dans votre smartphone pour télécharger les serveurs de UltraSurf. C'est-à-dire, pour que UltraSurf puisse se connecter, il faudra qu'il vérifie dans votre mémoire interne de votre smartphone s'il existe une configuration de leur serveur qu'ils ont hébergé dans votre mémoire interne, si je peux dire. Donc, pour télécharger ce serveur, il vous faudra un peu de connexion. Donc, je vais prendre ma SIM principale auquel je surfe et je vais télécharger ce serveur. Justement, regardez comment on télécharge ce serveur. On clique sur « Connecting ». Une fois le compteur initialisé, cela voudrait dire que nous avons déjà téléchargé ce serveur. Donc, justement, nous allons quitter ce VPN et changer de carte SIM pour profiter de l'Internet gratuit avec Orange. Cela fonctionne au Cameroun et en Côte d'Ivoire, notez bien. Voilà. Voilà, on vient ici sur plus, réseau et mobile. Vous avez vu justement. Vous avez vu le nom de point d'accès. Vous laissez la configuration par défaut, donc pas de proxy, pas de port, uniquement l'API, le nom d'utilisateur et le mot de passe. Bien, voilà justement. Voilà, notre VPN passe bien. Notre truc, on va essayer un truc comme UC Mini. Question de voir si notre configuration Internet marche. Mais exactement, nous n'avons pas d'accès à Internet, nous n'avons pas de data. Donc, justement, on essaye. Vous voyez, la page ne passe pas. Voilà, on va lancer notre UltraSurf. On clique justement sur le bouton connect et on patiente justement que notre VPN se connecte à Internet. Bien sûr, le processus est le même sur votre ordinateur, donc le logiciel UltraSurf pour ordinateur est disponible. Bon, cependant, des gens ont rencontré des difficultés à se connecter, alors que le principe reste le même. Il faudra toujours quelques mégas pour pouvoir télécharger les serveurs pour l'ordinateur, parce que ça n'était fonctionnel que 24 heures. Donc, justement, dans les prochaines vidéos, je posterai le serveur stable. Bon. La stabilisation du serveur avec Siphon et UltraSurf pour une bonne connexion Internet sur ordinateur. Bon, justement, abonnez-vous à la chaîne YouTube. J'ai jamais cumulé les 1000 abonnés. Donc, pour la Côte d'Ivoire et le Cameroun, j'espère que vous pourriez me donner 1000 abonnés et aussi 1000 likes sur YouTube. Merci, on se retrouvera prochainement pour une autre vidéo.
pour, je peux dire, la Guinée équatoriale et aussi pour le Mali et le Cameroun.